Ma Mission TV, le miroir du monde. Après avoir colaqué Sabino Ndenge, le président Kenya William Ruto a remetté le drapeau na force de défense kenyane pour na colaqué sa soutien na appui kenyan na RDC face à la situation terre oyo tozali koleka ngo na est ya République démocratique du Congo. Mise en place, yaba militaire et salemaki, yaba yaki kozanzela pona goya na Congo. Ndenge toza koloba boye, ba koti deja na ville ya Goma, pona kotia ba FRDC poa, ba niata ba M23 na ba groupes armés nyonso lokola ba kayas. Bango yeyo, yeyule, yeyule, zwaye bumaye. Kasi porte-parole, yarmé na région wana, le colonel Guillaume Jike, a talisi mission spécifique, yaba militaire kenya na est, na yaba force régionale. Alobi boyi, ba instruction eza tellement clair, ba kenya ba yé na RDC na mission moko purement offensive. Au total, 903 militaires kenya, ba koza la bongo na est ya République démocratique du Congo, denye décision ezomaki na ba dirigeant ya les 7 pays membres ya EAC. Troupes ya ba militaires ougandais, ba aza déjà na sol congolais, mais ba zwina nou ordre ya fonctionnement te, kasi bango moko ba militaires ougandais, ba aza déjà prête ya ko bunda sou bannière ya EAC. Ba koza la dispatché boy. Unité Kenya, bango bakoza la bongo na Nord Kivu, plus précisément na Rutshuru, pona kobundela RDC. Force ougandaise, bango bakoza la bongo esika opération conjointe ezali kosalema, c'est-à-dire na Rutshuru. Ya Soudan du Sud, bakoza la bongo na frontière congolaise, na côté nord donc, na ex-province orientale. Zalawana pona kokenge la frontière de sorte que Monguna tope ba dongolo miso ba zwata accès mon côté na République démocratique du Congo, surtout na partie nord. Wana selon message ya ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ndenge a expliqué ki batache e kozala réparti. Na ngambo ya Martin Fayulu Madidi ya lobi que non, c'est pas une bonne solution, le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congos. Le Rwanda ne serait pas dans cette force multinationale. Mais tout à fait, mais le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Mais en attendant, il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes, il faut demander à M. Museveni de retirer ses troupes. Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda? Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de 4 ans. 4 ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu. Mamadou Ndala a été tué. Bahouma a été tué. Pourquoi? Et c'est depuis Kabila. Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà les proxys, des gens que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. Présence y a 900 militaires kenyans na sol congolais et ezali na ngonde ba blague, c'est-à-dire ba ko apporter et l'autre côté na est ya RDC. Donc kimia ba congolais bazana posa na yango ba kenya ba ko pesa yango bisoté.
Toebite alobi bongo pourquoi? Parce que tomoni ba Kenya bazali très motivé na mission offensive oyo batindi bango na est na compte ya force régionale. Donc mokili mobimba ezali kotale la soki ba force régionale ba komema kimia na est pe ko benga na ba groupes armés nyonso oyo etungisaka biso ndenge ba congolais bazali ko souhaiter na dossier oyo na suka na yango nde tokoye ba banani ba miminga mbwe. Patrick Muyaya, ministre ya communication et médias, peut porter parole ya gouvernement Samalou Kondé. A Salaki briefing na ye comme le mesano, vendredi 11 novembre 2022 oyo na Kinshasa, wapiepaï. A Salaki accompagné na présence ya ministre ya affaires étrangères ya mboka na biso, Christophe Lutundula. Ma solo e Salaki, axé na thème, agression rwandaise sous couvert du M23 comme question. Évolution sur le front diplomatique. Afin de la ki mingi mingi makambo ezali kolobama na ngambo ya ba opposition ya mboka na biso bazali kotuna motuna na mokonzi ya mboka Fatou Beton ayebisa mokili mobimba akor nini asinyaki na Rwanda pe Uganda. Fe ce que le quoi azwaki mokonzi na ndenge ya mabe alingi akende na Rwanda pour qu'il y ait un accompagnement à Rwanda, pour qu'il y ait le Rwanda et qu'il y ait servi comme base arrière pour l'attaquer et renverser son pouvoir. C'est comme ça qu'il y a Kendagi dans la caméra en 2019, à qui il y a signé un accord pour qu'il y ait Tchanana. Et la conséquence, c'est qu'il y ait Bimisi M23. Tout le quoi, il y a un qui réanimé M23 et puis à côté de ce sous davantage la dépendance dans Rwanda. Il y a un qui est le bas. Il doit être jugé pour haute trahison. Mais ça, à ce quoi, très bien, fort. Pour nous, c'est ça le principe, il y a dialogue. On va trouver les justes milieux. Beaucoup de gens à Rwanda. Rwanda, le binon, voilà. Monsieur Félix, c'est que na batunaye, baza ko tcha mal à l'aise Batuchi. Yango moi, il y a un peu de défendre l'intérêt à Batuchi. Pour trouver une solution, il faut ça. Il faut que vous vous avez ok, tout ça, il y a une guerre, ton limite pour protéger Batuchi, il y a une guerre. Parce que Batuchi, on peut protéger Batuchi, on peut protéger. Congolais, Sambela, Senga, Bakanga, mais c'est fait, je vais s'amuser pour haute trahison. Quand tu vas rester d'Israël, je vous dis, tant que je suis en mission, je vais vous éviter. Monsieur Félix, c'est qu'il y a dans la mignololo. Nous sommes en train d'aventure. Voilà. Il faut. Il faut. Bola qui s'en a monde entier que vous êtes une grande nation. Il faut que ça la effort pour renforcer l'armée pour que tout ça la guerre, pas seulement contre le Rwanda, mais contre l'Ouganda qui est son allié. Pour moi, il y a Kagame, et moi, il y a Museveni, ou Azam Okonzi, il y a armée dans Bourana Bango, Azali neveu, il y a Kagame. Moi, c'est à Kagame, Azali rwandaise, Ndeko, il y a Kagame. Moi, c'est à Museveni, Azali Ndeko, il y a Kagame. Il faut que ça arrive que ça la guerre. Cette guerre ne peut résoudre le problème que ceux qui vont mener guerre militaire, guerre diplomatique, guerre médiatique, vont sentir un mot. Tout ça, la nyonso, M. Félix, c'est qu'il a présenté devant son juge pour haute trahison. Ceux qui ont eu commandant en chef à guéri et que tu fais ici, Marambou Kimia, on va te remettre à genoux le Rwanda. Le Rwanda n'est pas si fort que ça. Je vous dis, désarticuler l'économie à Rwanda, désarticuler l'armée à Rwanda, mettre en mal la fibre sociale à Rwanda. Je vais vous donner un exemple. Le Rwandais vient ici, il a infiltré, il a déstabilisé. Qu'est-ce qui manque de ce plutôt que de Rwanda? Parce que pas na bango, la population Hutu qui est majoritaire a dans la frustration. Pourquoi ne pas utiliser la frustration à la population Hutu?
Pourquoi ne pas recruter les Hutus et certains Tutsikuna Bosala qui va commencer un service dans la ville, pour infiltrer l'armée rwandaise. Et là, on est là. Maëlle, Bomoto. Il y a un peu de temps. Ce que Monique Okoro a été démissionné. Proposition n'a pas été. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez proposition. Vous avez proposition. Vous avez proposition. C'était des accords officiels. Parce que même jour à signature à Bakorwana, tout le monde qui va l'accès sur un journal, na télévision nationale, en direct, on a parlé de la nation. Nous étions curieux pour l'Anabi Okwana. Mais après l'Anabi Okwana, nous avons compris que ces choses-là, les contrats signés étaient officiels, mais les contenus de ces contrats-là, Tilelo, et tu n'as jamais posé l'officiel. Et d'ailleurs, le même jour, pendant les mêmes heures, un journaliste congolais a posé la question à notre chef de l'État, Yabotounaé, a établi ce quand même contrat a signé, surtout dans Ouganda. Étalines là, combien de kilomètres, est-ce qu'il y a eu des études, il y a un impact environnemental, ou est-ce seulement qui au préalable, est-ce que tout ça, chef de l'État, a Zalaki, n'a réponse au président journaliste, on a été à l'objet qu'il faut retourner expert. Mais chef de l'État, en tant que chef de l'État, garant de la nation, Moudouazo Kambambo Garabiso, avant y a posé mon colotonaïna de Kouamoko, c'est-à-dire, il doit avoir les rapports avec experts d'abord. À la matière, qui ont étudié ces dossiers-là, bah, il y a le pour et le contre avant y a signé. Mais le lot, tu as remarqué avec le régime de l'UDPS, on signe les contrats sans que le chef de l'État soit en possession des informations des experts. Yango, Patrick Mouyaya, a yende kopé sabango, ba réponse. Allo biboy, Félix Tshisekedi, a sala ata akor mokote na Rwanda ainsi que Uganda, a talisi que ko signé ba akor ezali na compétence ya président de la République. A rappelé que Rwanda na RDC nde ba signé ki trois accords de coopération bilatérale au Yue Salemaka na mois de juin 2021 na jardin et hôtel Serena na ville province ya Kinshasa et à ce jour trois accords Rwanda et allés suspendus jusqu'à ce que ba nouvelle condition de coopération et kozala créé. En d'ailleurs il y a trois accords Oyo mon côté et allés signés na Rwanda et ala na ndenge ya Katumini topé na imagination, Isalaï T. Selon Christophe Lutundula, Conseil supérieur de la défense, Nde Esengaki, na gouvernement congolais, bah, suspendre ba accords commerciaux signés na Rwanda, parce que Isalaï n'ango ko servir na eloko mokote, yango de, gouvernement congolais, yango e kataki ba accords oyo penza na lombango. Félix Tshisekedi na Paul Kagame, jour ya signature, ya trois accords oyo, Bazala qui convenu, yako poursuivre ben fonds mutuels pour na commettre fin. L'insécurité na région, ko créé ba conditions favorables au développement du commerce transfrontalier, na ya coopération économique entre les deux pays. En vue yako consolider la paix,
n'a qu'à promouvoir une prospérité partagée. Kasi, il y a pas si ezali que entre les deux pays, bah kokina bango ko concrétiser nyonso oyo ba signé ki sur ba documenté oyo lelo relation diplomatique ezali obo fixé. Alors que les deux pays ba président na bango ba benganaka ba partenaire privilégié peu ba frère Tomonaka Kutunde Félix Tshisekedi a kendaka ko signé livre d'or ya génocide Rwanda. Tomonaka pe ndenge Paul Kagame le président rwandais ayaka na matanga ya fait président ya UDPS. Etienne Tshisekedi wa Mulumba Sphinx de l'humité wa pepa yikutu ba kombata ba taliban ba yembelaka ye yonani obo ya Kagame. Yonani obo ya Kagame kasi lelo relation y mwangani e komine makambu ya kita kita oyo kutu bientôt e komi kolakisa ke guerre nde gozala long et populaire. Mission TV, le miroir du monde.